Bonsoir. Bonsoir, bébé. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que je me suis légèrement luxé un muscle. J'aurais préféré que tu te luxes la mâchoire pour pouvoir fermer ta grande gueule. Danseuse de foire. Cadavre. Dites, je rêve ou c'est un peu tendu entre vous? Non. Non, absolument pas. Non, j'aime Johnny comme un cheval fou dans une lasagne. Et moi, j'aime bébé comme une entrecôte saignante dans un repas vegan. Oh merde, il parle comme dans la version française, merde. Bon, on est tellement heureux de vous recevoir. Dirty Dancing a dû changer vraiment votre vie à tous les deux. Hein. Oh, absolument pas. Et puis, vous savez, tout ça est tellement lointain maintenant. Ah oui? Ouais. Nous avons oublié tout ça. Tout ça est fini et loin derrière nous. Même si c'est vrai, certaines personnes sont hypnotisées. Par nos scènes torrides. Bon, excusez-moi de vous dire ça, je ne sais plus où j'en suis, moi, mais... Ah, non plus. Excusez-moi, je crois que vous êtes encore dans l'en... Je vais vomir, en plus. Je crois que vous êtes encore dans l'envoûtement global de la période. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Écoutez, coupez cette musique maintenant, c'est bon, là-haut. Bon, et alors, ramenez des chaises, là. Pourquoi il n'y a pas de chaises, ici? C'est quand même terrible. Parce que, bon, alors, excusez-moi, parce qu'il y avait déjà une suite en 2004... mais vous, Johnny, vous n'y étiez pas dans cette suite. Non, c'était une suite adaptée par la télévision flamande de Dirty Dancing. Vile Dancing. Ah bon? Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui part dans un pensionnat avec ses parents, à Vilvoorde. Et là, elle rencontre un professeur de danse, que je joue. Elle en tombe amoureuse, et voilà, je ne trouvais pas le pitch très crédible. Ah bon? Bah, qui partirait en vacances à Vilvoorde? Bon, alors, pour l'histoire, le scénario, alors, comment ça se passe Je ne ressignais pas si l'histoire n'était pas complètement nouvelle. Ah bah. Et là, nous sommes tombés sur des auteurs qui nous ont amené un vent nouveau, un vent original. Bon, évidemment, vous ne voyez pas de quoi je parle quand je parle d'effort d'auteur, hein, monsieur de Warzé. Dans cette émission, on parle quand même beaucoup de zizi. Pardon? Si, ça tourne beaucoup autour du zizi. Non, on parle de... On en reparle dans deux minutes. Ah bah, si vous... Bon, et le pitch, alors, du film? Alors, le pitch, ça se passe dans les années 60. Hein, nous arrivons dans une pension d'été. Dis-leur, Johnny. Dans une petite pension d'été. Et moi, je viens en vacances avec mes parents. Voilà. Et moi, je suis prof dans cette pension d'été. Prof de danse. Tous les deux, nous tombons amoureux l'un de l'autre en dansant. Chut, ne dévoile pas la fin. Non, attendez, mais c'est exactement la même histoire que le 1, ça, c'est... Pas du tout, non. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, dans le 1, il y avait 60 bungalows. Là, ils ont agrandi, il y en a 80, donc c'est pas du tout la même chose. Beaucoup plus grand. Et ils ont été repeints. Ils ont été repeints. Alors ça change tout. Alors, hein, ça change complètement tout. Mais et alors à la fin, il y a une scène de portée dans la salle devant les yeux des parents médusés, quoi. Oui, alors oui. C'est... Mon Dieu, Johnny, il a deviné la fin du film. Non, mais je t'avais dit que c'était un petit peu bateau. Non, enfin, mais c'est une escroquerie sans nom. Enfin, c'est le même film à 35 ans d'intervalle. Enfin, c'est fou. Bon, attendez. Bon, les chorégraphies, par exemple, qui s'en occupe? Ah, les chorégraphies, là, c'est quelqu'un qui est très renommé dans votre pays, mais qui n'a pas senti notre art de la danse. Il nous demandait de danser l'un à côté de l'autre, mais de manière très distanciée. Oui, il nous empêchait de nous rapprocher. Ouais. Mais qui était-ce? Mais c'est une personne dont nous avons oublié le nom, mais... dont nous nous souvenons parfaitement de tous ses conseils. Oui, je me souviens très bien. Il a dit ceci. Ceci est mon espace de danse. Et ceci est ton espace de danse. Il faut respecter une distanciation sociale de... 1,05 m. Oui, c'est ça. Je crois qu'on voit. À peu près. Oui, non, je comprends. Mais il a pas permis que vous vous touchiez. Alors. Ah non, on pouvait pas se toucher. Non, pour le porter, j'ai dû m'entraîner avec une poupée gonflable. Pour la danse aussi, pour faire l'amour aussi. Ah oui. Comment voulez-vous vous entraîner à faire l'amour avec une poupée gonflable? Avec du gel, du gel, du gel. Qu'est-ce qu'il a dit à peu près? Qu'est-ce qu'il a dit?
Moi, ce que j'aimais dans Dirty Dancing, c'est que... Mais bon, c'est que j'ai toujours trouvé ça hyper réaliste, voilà. Et c'est pour ça que ça a marché si fort. C'était réaliste, voilà. Hyper réaliste? Bah oui. Dirty Dancing? Ah bah oui. Et tu trouves ça réaliste? Une jeune fille qui débarque dans un camp de vacances, qui danse comme un piquet, et une semaine après, elle danse comme une danseuse de l'Opéra de Paris. Tu trouves ça réaliste? Bah, bon, alors vu comme... Mais non, oui. Alors, tu trouves ça réaliste qu'on est dans une forêt à des milliers de kilomètres de la civilisation, on commence à danser sur un bout de tronc d'arbre, comme ça, et puis tout à coup, il y a une musique qui démarre pour que tout le monde danse en rythme. Tu trouves ça réaliste? Bon, alors vu comme ça... Alors à la fin, est-ce que tu trouves ça réaliste que moi, on monte sur scène tous les deux, on danse, je descends de scène, il y a 20 personnes qu'on n'a jamais vues qui font exactement la même chorégraphie que nous, chorégraphie qu'on a été les seuls à répéter pendant tout le putain de film, et ces cons sont en train de danser la même chose que nous, tu trouves ça réaliste? Non, mais faut pas vous énerver, enfin moi je pensais pas qu'effectivement, j'avoue quoi, Ah oui, c'est comme si un fantôme que seul Whoopi Goldberg pouvait voir débarquer pour hanter son propre assassin. Ça n'est pas réaliste. Non, mais ça, un fantôme. Non, mais ça, c'est réaliste. Ben non, Johnny. Si, c'est réaliste. Ben non, Johnny, un fantôme qui arrive. Si, ferme ta gueule, Bon, vous allez quand même nous sortir quelque chose d'original pour cette suite, quand même. Ah oui, non, il y a une scène absolument originale, jamais vue ailleurs. Ah bon? Oui. Ah oui. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée, d'ailleurs. Oui. C'est la scène de l'atelier poterie. Oui. Et moi, je suis professeur de poterie. Quoi? Vous allez je ne résiste pas à vous montrer un petit extrait. Ah oui, Johnny, vas-y. Allez, on y va? Ah oui. Allez, l'atelier poterie, c'est parti. Magie du spectacle. Oh, Johnny. Si tu savais à quoi je pense. À quoi penses-tu, bébé? Je n'ose pas te le dire. Je ne pourrais jamais deviner à quoi tu penses si tu ne me le dis pas. Non, mais ça va, on a compris. Excusez-moi, merci. Regarde. Quel beau film ça va être. C'est là que tu chantes aussi dans le film. She's like the wind through my tree. She's like the wind next to me. I'm in a rising sky. To the flying gold. It's like a miracle down. Flying down my hole. Just a night when I'm by with another way. She like the wind. Non mais vous allez pas rester là-dessus, vous allez quand même nous proposer quelque chose pour d'original. Ah mais peut-être qu'on peut faire un petit truc du 1, alors on peut faire... On peut faire ce... Le petit porté? Oui. Allez, oui, ah oui, le porté. Ah mais le porté, on attend le porté. Allez, le porté, le porté. Ah oui, le porté. Mais qu'est-ce que c'est que ça?